Bonjour, je suis Kimberly Johnson, éducateur canin et comportementaliste pour la société Éducation au poil à Paris et Île-de-France. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre à son chien à se coucher. Nous allons pour cela utiliser la méthode du clicker training. Donc le clicker est cette petite boîte de plastique avec laquelle on va pouvoir marquer le comportement du chien. Et nous allons donc façonner son comportement. Nous allons faire comme une photo du comportement lorsque le chien se met dans la position couchée. Il faut donc être simplement patient et attendre qu'il vous propose ce comportement pour le capturer et le récompenser. Voilà, le chien nous propose environ 10 fois par minute le comportement du coucher, donc il sait exactement ce que l'on attend de lui. Nous allons pouvoir mettre ce comportement sous signal, c'est-à-dire avec le mot coucher. En premier temps, nous mettrons le mot coucher pendant que le chien est en train de se coucher, et très rapidement, nous dirons le mot coucher avant qu'il commence le comportement. Coucher. 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 Si lorsque vous donnez le signal coucher, votre chien ne se couche pas immédiatement, vous attendez, il va le faire. Il sait pourquoi, enfin, il sait ce que vous attendez exactement de lui, donc il faut être un tout petit peu patient. Une fois qu'il donne le comportement, vous cliquez et vous récompensez. Surtout, vous ne répétez pas le signal. Il est important que le chien réponde au signal. Un signal égale un comportement. Si ça prend trop de temps, vous vous déplacez dans la salle et vous lui redemandez de se coucher. Il est important de ne pas habituer le chien à répondre au deuxième ou troisième signal. Sinon, il va attendre le cinquième ou le dixième et ne vous écoutera plus. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. À très bientôt. Au revoir.